Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va faire le Battlefield édition je ne sais plus combien sur la version Jap. On a fait la globale ce matin, voilà, donc on enchaîne avec la Jap, ça va aller assez vite évidemment. Donc on y va tout de suite avec Vegeta, let's go, j'ai pas changé mes compositions, donc peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises, hein, je ne sais pas, mais bon, ça devrait aller. Au-delà du Super Saiyan avec, je sais plus ce que je mettais en... je crois que je mettais... je mettais Goku Ange. Au-delà du Super Saiyan, Gogeta 4, on peut mettre des cartes héros des films aussi, Gohan Goten notamment. Le Vegeta SSJ 2, on peut mettre du coup Gogeta, ça marche, Goku, et ce sera au moins qu'on mette... je peux pas. Ça va être pas mal. On est parti, let's go. Bon, je vais pas reparler des invocations de la globale, j'en ai parlé ce matin, c'est bon, on va tirer un trait là-dessus. Vous avez vu, de toute façon, j'avais mis même la multi en miniature, je savais pas quoi mettre, du coup on a fait déjà un peu le point hein, finalement hein, ce matin dans la vidéo de la globale. Belle rotation hein, cela étant dit ici avec Goku et les Sajigod LR bien sûr. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Donc fin de semaine le TB bien sûr avec le Goten Ado. Hein, c'est marrant quand même qu'ils sortent un Goten Ado. Puis le moment où on va avoir un visuel dans le film. C'est assez marrant même si en plus c'est pas vraiment pareil puisque dans le film je crois que sa coupe de cheveux est quand même différente même si on voit pas bien sur le... le truc, mais surtout, là, ça fait référence carrément au TB, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Avec peut-être pas en TUR, hein, serait logique, hein. Même si, normalement, dans l'ordre de sortie des persos, ça devait être Bojack, je crois, le suivant, mais ça peut être Pan, Agit, et qui va passer TUR, qui n'a pas encore TUR, serait logique, vu que Pan affronte Goten dans ce fameux TB. Même si on le voit pas, on a un petit screen. Donc ça serait assez logique, mais enfin bon, on verra bien. Mais là où je suis déçu, vraiment, à moins qu'ils... Enfin, ils vont pas l'ajouter comme ça, mais... Et moi, vraiment, j'attendais Piccolo ZLR. Le Piccolo du TB, je l'attendais vraiment. Pour moi, c'était l'occasion rêvée. Enfin, on sort un Raditz, du Nappa, de l'arc Saiyan. Pour moi, c'était c'était écrit, limite. C'était déjà écrit, Piccolo, voilà, faut commencer les ZLR du TB. Parce qu'il y en a quand même, il y a quand même 3 LR qui sont nuls à chier. Je me suis dit, bon, c'est le moment, tu vois. Et non, même pas, a priori, non. Hein. Donc, je sais pas ce qu'ils attendent, mais... Mais bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de LR que ça à ZLR, parce que finalement, il y a 5 LR du TB, dont 2 qui sont... Alors, Toe Pai Pai qui est pas mal du tout, et Piccolo Daimao qui reste cool aussi, mais les 3 autres, c'est vraiment de la merde, quoi. Enfin, cela étant dit, Toe Pai Pai, on arrive au bout, hein. Je crois que sur la Jap, il doit peut-être me manquer... Je sais même pas s'il manque un doublon, en fait, ou si je l'ai à 100% déjà. Enfin bref, en tout cas, théoriquement, Toe Pai Pai, il n'y en a plus pour très longtemps. Hein. Donc tout ça pour dire qu'il faudrait vraiment... Faudrait vraiment commencer à ZLR les LR du TV quoi, enfin je sais pas. Même s'ils en font un tous les 6 mois, mais là Piccolo c'était l'occasion. D'ailleurs même Tenshin Han ça aurait pu être l'occasion finalement, parce que hein, ça aurait pu marcher aussi, mais... donc je sais pas, c'est vraiment dommage. Ça fait mal quand même un peu, hein. Enfin, bon, c'est un peu dommage quand même, j'avoue que... Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui choisis, hein, comme vous le savez. Je ne travaille pas chez Bandai. Mais bien sûr. Bon, ici on va sortir une super puissance évidemment. Qu'est-ce qu'on va ramener? On va ramener C18, Kulilin, on va ramener Végéto. Après, faut que j'ai quand même faire une team de secours, mais bon, non, j'en aurais pas besoin a priori. Mais allez, vas-y, le Végéta SSJ2 qui est pas dingue. Et on est parti, mais bon, il va être lead à 180% par Végéta 4 LR, ce qui est plutôt cool. Évidemment, la route SJ4 serait appréciable ici. Elle sera juste après. C'est pas mal. Peut-être C18 devant. Voilà, comme ça on a un peu plus de liens à droite. Encore que de toute façon, Kukaoken. Trois liens. C'est pas non plus la fête, mais c'est déjà pas mal. Kukaoken qui va faire mal quand même. Hein. Qui va faire mal évidemment. Ça va piquer, hein. Ça va piquer pour celle. L'aspect qui tombe évidemment, first slot, first attack, on connaît bien. La régénération qui sert à rien. Oh, t'as élargi de combien là? 5 millions? C'est pas plus que d'habitude, hein. Ouais, c'est pareil, à moins que j'ai mal vu, mais... ça me paraît énorme, 5 d'habitude, c'est 4 millions, je crois pas 5 millions. Bon, à moins qu'ils aient encore changé les valeurs, parce qu'ils les changent à chaque fois, alors je sais pas, mais... On verra bien. Le Goku Kaken qui part à 5 millions, bien sûr, et non pas à 20 millions, hein, comme on a voulu nous faire croire, n'est-ce pas? Constamment, pas du tout. On y va, let's go. Le 8 millions qui fait quand même plaisir, bien sûr. Hein.
On enchaîne avec la route SJ4 qui va faire très très mal. On va mettre Vegeta devant et on va prendre... on va se faire plaisir. Avec les Ki, Goku et SJ4, malheureusement, je suis obligé de prendre tout ça. Et donc le Vegeta puissance qui se retrouve à la rue au niveau de l'aspect. Mais enfin bon, Vegeta 4 LR va faire très très mal. 5 millions 5 tout de suite. Bien sûr, ça pique, bien évidemment. Avec un bon gros critique, je le sens. Voilà. Parfait. Et ouais, 5 millions. Il me semble pas que c'était 5 millions, ça régène avant. C'était 4 300 000, je dirais. De mémoire comme ça, je sais pas. Ouais, ils ont peut-être buffé encore sa régène, hein, on va savoir. Hein. C'est possible. Hein. Et l'aspect. Alors là, bizarrement, celle, il a pas spé devant. Là. Évidemment, il était spé le perso le pire de ma rotation. Évidemment, le plus mauvais. Il pouvait pas spé avant. Bah, bien sûr que non. Hein. Bon. Et ça régène encore. Une dernière attention parce que là je vais crever si ça continue. Ouais, je vais littéralement y passer. Alors Krillin peut activer la... Enfin non, il a la garde en fait. On a la garde. On a de la réduction et qui va bien tanker. Mais on n'est pas loin de la mort parce que là on va peut-être pas le tuer. Vu qu'il régène comme un fou. Bon, idéalement bien sûr faut le stun. Hein, mais c'est vrai que bon, pour plus de suspense, vas-y, je stun pas. Mais évidemment, vaut mieux ramener du stun. Bien sûr, ouais, c'est vrai que là on avance pas trop dans les dégâts, hein, mine de rien, je vous dis. Tout à l'heure je disais, ouais, j'aurais pas besoin d'une seconde team. Si, peut-être. Hein. Si, peut-être, hein, parce que là il arrête pas de me spé les pires slots. Ouais. Il y a moyen que j'en ai besoin. L'aspect qui tombe sur la dernière attaque. Très bien. Et on est aux portes de la mort, mais nous avons le Goku Kaioken qui va pouvoir lâcher son active skill. Et on a Vegeta. Bon, bref, voilà, c'est fini. La passion n'a pas de limite. Est-ce que j'ai cut les trucs? Non. Non, attends. Attends, on c'est... Non, si, on c'est cut, en fait. Oui, parce que oui... on c'est cut. Ah, c'est rare qu'on puisse faire un petit moment de passion dans le Battlefield. Mais, bon. C'est beau quand même, hein. Bon, ça va être un peu moins beau. Beaucoup, enfin. Mais ça fait mal. Ça fait quand même très mal. Alors, Piccolo, bah, c'est comme sur la globale, hein, une team partagée. Être légendaire, Super Saiyan, un truc comme ça. En plus, on a Vegeto qui est ZLR du coup maintenant. Le Gotenks pour créer des Kigotenks encore. Et voilà, ça devrait pas être trop mal. On est parti. Let's go. Let's go, let's go. Allez, Piccolo. Mais quasiment sûr que ça, elle régène plus. Hein. War, j'ai vraiment rêvé ça régène. Mais je. Bon, je... Enfin, les valeurs que j'imaginais. Ouais, on va faire ça. C'est pas mal. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Le Goku qui va se gaver. Goku 100% hein, sur la Jap. Hein, parce que ce perso me poursuit absolument partout. Amigaté. Intelligence. Qui va mettre les bons dégâts. Ici avec un critique éventuellement. Voilà, merci beaucoup. Le Piccolo qui va lancer, mais je vais esquiver. Donc c'est ok. Ok, my bad. Quand même, avec le petit debuff, ça fait mal. Hein. Et Goku qui part à 3 millions 3 dégâts. Pas dingue. Hein, mais enfin bon. On connaît, hein, c'est normal. Pas de critique. Pas d'additionnel, la régène de 3 millions de Piccolo. Je suis peut-être confondu avec lui, mais je... Non, vraiment, je sais, j'étais persuadé que c'était du 4 300 000, mais... À tout moment, j'ai rêvé. Hein. Le Goku Yardrat, qui est vraiment très bon, hein, et qui va mettre les petits contres. Mais bon, le problème, c'est que Piccolo a une bonne défense. Donc, si on crit pas, ça fait 0. Mais avec le crit, ça va faire des bons dégâts. Vous voyez, c'est le jour et la nuit. L'esquive avec le contre qui va quand même marcher, malheureusement. Sans critique, ça ne fera pas de dégâts. Et le critique qui tombe ici, plutôt stylé ce perso gratuit, moi j'aime bien, franchement, plutôt sympa. Le Goku, pas d'attaque avant malheureusement pour lâcher un petit, enfin une petite additionnelle garantie. Vegeto LR qui va exploser là, Vegeto, enfin Vegeto ZLR bien sûr, qui va exploser Piccolo en l'occurrence. Ça va faire très mal, 4 300 000. On est quasiment lien 10, je crois qu'il manque un lien, en tout cas, je sais plus, on a peut-être fini, je ne sais plus.
Les bons dégâts, bien l'aspect évidemment qui tombe encore devant, on l'attendait. Pas d'esquive, on aurait pu esquiver, hein, c'est dommage. Et Goku qui va y aller, un doublon le Goku, hein, que j'avais pas droppé au million de DL, enfin en même temps j'avais quasiment pas invoqué. Que j'avais acheté, puis que j'ai droppé finalement derrière, vous savez c'est un grand classique. On y va, vraiment qui fait des très très gros dégâts le Goku, hein, vraiment. Ça stack très très vite. Et on y va, let's go Piccolo, quasiment mort. C'est dire quand même, hein. Ça fait plaisir. Le Gotenks qui va faire 0, mais bon, c'est pas grave. En plus, magnifique asset du Goku aussi, hein. Vraiment. Allez, Gotenks, oui. Ouais, bah, voilà, 0, hein. C'est à peu près ce à quoi on s'attendait. Le Gotenks qui se transforme en Super Saiyan. C'est bien, mais bon. Voilà, laisse-moi jouer, s'il te plaît. Ah oui, le Migaté, oui. Oui, le Migaté. Full esquive. Full esquive pour Migaté, bien sûr. Avec le Goku qui traîne encore ici, on peut mettre Migaté devant, éventuellement. Mais le combat va se terminer de toute façon, c'est sûr et certain. Avec tout ça, on y va. L'aspect qui tombe, eh bien, ça ne passera pas, bien sûr. Avec l'esquive garantie, et on y va. À 4 millions, on est parti. Allez, ça dégage. Des bisous, à bientôt. Enfin, quoi que non, peut-être pas sur cette attaque-là, mais... Mais au moins sur celle de Goku, bien sûr. Et allez, des bisous, à bientôt. Allez, Piccolo, on enchaîne. Il reste qui déjà Oui, le Goku. Donc je fais en dernier, je sais pas pourquoi, mais... Bon, alors là, le Goku, il va se prendre une branlée, mais quelque chose de bien. Hein, parce que ma composition est totalement abusée, hein, avec du guerrier fusionné, avec du GT Hero. Ça va faire très, très, très mal. GT Hero, guerrier fusionné, qu'est-ce qu'il me reste à prendre là-dedans? Bah attends, mais il passe pas les autres persos. Il me manque un perso là, non? Bah il manque un perso dans ma team en fait. Là, c'est bizarre. Parce que go, j'étais. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, 3, 3. Ouais, il me manque un perso. Bon, après, on s'en fout. On va prendre. Je sais pas si Piccolo. Non, il est pas considéré, je crois. Je sais plus s'il est dans la catégorie genre en mode considéré, fusion, je sais plus. Mais je crois que si. Hein, je crois que c'est assimilation aussi. Ça fait un moment. Aïe aïe aïe. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. On s'en fout. Alors. Et bah, ça va faire très mal, hein. À moins qu'il me stun cet enfoiré, parce qu'il peut stun en fait. Il peut me stun. Donc à tout moment. À tout moment, ça fait chier. Et vu le nombre d'attaques, c'est sûr qu'il va me lancer une spé. Alors stun pas frérot, franchement stun pas, j'ai autre chose à faire, vraiment. Voilà, merci. Merci, merci, on y va, allez, c'est parti. En fait, Goku, c'est vraiment un boss qui peut te rendre fou, hein, par contre. Hein, entre son stun et les... En fait, il est pas dur, mais... Il peut vraiment te rendre fou, hein, entre l'esquive et le stun. Vraiment te saouler, quoi. Merci Goku, hein, c'est cool. Allez, Goku GT qui va faire les bons dégâts, là. Deuxième spé de Goku incoming. Non. Okay. Vegito Blue. Vegito Blue, endurance. Waouh. Et donc, Piccolo est bien lead, hein. Ouais, il est bien lead, ouais. Mais bon, dans ce cas, il me manquait un perso. C'est quoi, c'est qui de merde, là, bon, on va faire ça. Voilà, c'est pas trop mal. On y va, let's go. Gotenks, 3 millions. Pas mal. Pas non plus incroyable, cela étant dit. L'aspect qui arrive, est-ce qu'on va esquiver? Chance moyenne, non. Avec Efla, qui ne... Oui. Ok, cette fois ça passe. Cette fois ça passe, les amis. Le critique, peut-être non. La troisième spé qui arrive. C'est Kefla, hein, ça arrive assez souvent. Boum. Ok. Bon, Piccolo qui va gratter les PV. Voilà. Un petit grattage de PV. La deuxième spé qui arrive, qui va taper que dalle. Enfin, vite fait, quoi. On prend quand même des dégâts en auto. Hein.
À moins que Pico était pas libre, oh, je sais plus. Allez, je ne sais plus, c'est pas grave, de toute façon le combat est fini. Voilà, voilà, on n'en parle plus. Des bisous, à bientôt. Allez, ça dégage. À moins qu'il esquive encore, bien sûr, voilà. Ah, s'il veut m'esquiver toutes mes attaques. Mais ça sera pas le... Mais c'est pas fini. Voilà, dégage. Ouais, très bien. Ah, parce qu'à un moment donné, frérot, c'est bon. On t'a assez vu. Maintenant, tu rentres chez toi. Bon, on enchaîne avec le dernier boss, évidemment. Supa Ishinron, Omega Shenron, tu l'appelles comme tu le souhaites. Et donc, il est de type puissance. Donc, bon, comment vous dire qu'on a des persos super agilité plutôt vénères, hein, voyez-vous. Donc, Kamehameha, famille de Goku. On va sortir Goku. Le Goku ici, on peut ramener si on veut, pourquoi pas, ouais, vas-y, pour le fun. Enfin, de toute façon, on élite super agi quoi qu'il arrive, hein, évidemment, mais... on peut ramener le Gohan agi, pourquoi pas. Alors, Migaté, il sera lead en partie par le Kamehameha. Bah non, attends, je raconte de la merde. Il sera lead... non, il a... Bah si, non, en fait, c'est bon. Ok, on y va, let's go. Bon, cela étant dit, même avec une team aussi impressionnante, si jamais il a envie de me spé toujours devant, 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 on... On passe pas forcément, ça dépend. Bon, déjà là, ce qui est bien, c'est que... Bon, il m'a lock God. Mais ce qui est cool, c'est que on peut attaquer avant, déjà. C'est une bonne chose. Alors, Gohan, on va, voilà, on va prendre le minimum. Tranquille. Là, Goku 4, on va se faire plaisir. Et ça, par contre, c'est dégueulasse, ça. Ouais. C'est dégueulasse. Mais bon, vu qu'on a de l'additionnel, il y a moyen de... d'attaquer quand même. Et on y va avec Gohan LR qui va gratter les PV, voilà, qui passera peut-être ZLR au million de DL, je sais pas, peut-être. Et l'aspect qui tombe sans surprise direct. Voilà, avec quelques autos à encaisser derrière, ah, ça va. Oh, c'est bizarre, ouais, bah après tu me diras. Allez, Goku SJ4 qui met des dégâts totalement indécents. Voilà. Allez, Goku Chichi, faudrait partir en additionnel, hein, évidemment, parce que sinon ça va être un peu chiant. Enfin, des SP, hein, bien sûr, c'est possible. Ah, merci. Très très cool, ok, on enchaîne. Seconde rotation, le lock sur Gohan, Goku. Derrière, ok. Alors, est-ce qu'on croit en Migaté? C'est ça la question. Est-ce qu'on fait confiance à Migaté, les gars? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? 70% d'esquive, est-ce qu'on lui fait confiance? Eh bien, la réponse est oui. C'est le mec qui a bien attendu le moment, c'est... Oui. Allez, on y va. Bon, après, Migaté, voilà, 70%, c'est 70%, mais si t'as pas de chance... Vous savez, c'est comme le détecteur, hein, voilà, c'est... 1,07%, ouais, et pourtant, des mecs qui arrivent à dropper 25 persos détecteurs sans dropper une seule fois le Goku, enfin, tu vois, c'est... Hein, ça, voilà, les taux, c'est une chose, mais... Après, voilà. Bon, bah, ça se passe bien tout ça. Allez, le Goku qui va gratter un peu les PV. Voilà, qui va aller prendre pas grand chose derrière. Un petit 10 000. Le double lock ou le blocage de spé? Non, double lock. Ah non, attends. Ah si, double lock. Hein. Double lock. Le double lock. Mais bon, c'est pas grave, les SJ4 qui partent en spell team très 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 facilement grâce à leur passif. Le Gohan agi qui va pas taper grand chose, mais qui va quand même, voilà, s'en sortir pas trop mal, même si l'aspect arrive bien sûr. Voilà, et que bon, bah, il est quand même 150 dans la gueule, mais enfin bon. On a de quoi tanker, Gohan LR qui arrive avec 4 millions 2. Et le combat qui est peut-être terminé ici, hein. Peut-être terminé, non, c'est en fait c'est pas peut-être, c'est sûr et certain. 6 millions pour le Goku SJ4 et ça dégage évidemment. Très très bon, boum, allez, des bisous, à bientôt. Voilà. Bon, voilà tout les amis pour cette édition du Battlefield sur la version Jap, hein, avec les petits ups qu'on a eu à l'anniversaire sur certains leaders. Certains persos qu'on jouait souvent en Battlefield, genre Goku les SJ4, etc. C'est vrai que ça fait quand même bien bien plaisir. Voilà tout, bon bah sur ce les amis, je vous dis dans un mois pour du Battlefield, hein. Sur ce petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !